Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Krishna Oumani succombe à ses blessures après 5 jours d'hospitalisation suivant un accident de la route. Cet homme de 43 ans était le passager en croupe d'un scooter qui avait fait une sortie de route le long de la route militaire à Port-Louis. De l'huile qui s'était répandue sur l'asphalte à cet endroit serait à l'origine de l'accident. Témoignage dans quelques instants. Un nourrisson de 10 mois admis à l'hôpital du Nord après avoir ingurgité une substance nocive. La police compte interroger la mère de l'enfant prochainement afin de comprendre les circonstances de cet incident. Une bande organisée mise hors d'état de nuire par la MCIT. Il s'agit du gang qui avait saccagé la maison et la voiture du père du TikToker Taslim. C'est un des suspects qui est passé aux aveux lors de son interrogatoire qui a balancé ses complices. Les détails dans quelques instants. Arvind Boulel s'insurge contre l'absence de Manish Gobin au sommet du G20 en Inde. Le député rouge trouve inadmissible qu'un ministre des Affaires étrangères ne soit pas présent à un tel événement. C'était lors d'une cérémonie de dépôt de gerbe au Samadhi de Sasatkam Boulel à Vallée des Prêtres ce dimanche. Et le film qu'on vous invite à découvrir ce dimanche, un des meilleurs de Marvel, Guardians of the Galaxy volume 3, avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper et Dave Bautista. Bonsoir. Fin tragique pour Krishna Oumani. Cet homme de 43 ans a succombé à ses blessures à l'hôpital Victoria hier après 5 jours d'hospitalisation suivant un accident de la route. Cet habitant de Vakua était le passager en croupe d'un scooter. Au moment de l'accident, le motocycliste avait perdu le contrôle de l'engin le long de la route militaire à Port-Louis. Selon la police, de l'huile s'était répandue sur la route le jour du drame. Une enquête est d'ailleurs en cours pour comprendre comment de l'huile a pu être répandue à cet endroit. Chez la famille Oumani, c'est la consternation. Kumara, le cousin de la victime, parle d'une grande perte pour la famille. Ce qui m'a appris de cet accident-là, c'est qu'il y a un camion déverse de l'huile au chemin. Right, nous apprenons ça. Mais il y a une autre motocyclette avant ça qui passait, une tombée. La police, si tu prends l'autre motocyclette là, qui tombait là, tu peux y aller. Mais finalement, mon cousin avec mon camarade là, ils sont tombés. Mais la police, ils prend tous les deux dans l'hôpital. Suite à sa blessure qu'ils ont gagnée là, mais mon cousin pense qu'il tombait avant ça. Il fait tout ce traitement possible. Même l'hôpital, il m'a bien guetté, mais il m'a bien gravement blessé. C'est ce que je m'apprends. Extra. Il souffrait terrible, la veine cassée dans la tête, fracture crâne. Mais c'est la cause, ça me prend qu'à faire non. Oui, l'autre là, si l'autre personne là, c'est une blessée, la tête cassée, les deux plissés partout, il m'a bien blessé d'ici. Mais ça qui pas derrière, il y a plus. Il est décédé. Mais si tu as ça, j'espère que la police fait son enquête et trouve ça coupable qui nous aide ça de lui là, qui pas ne fait non rien. Le premier motocyclette là, c'est ça qui nous apprend, il y a un cellule ici. Ça veut dire que moi, passe l'eau de l'huile là, puis ça peut tomber. Mais après, pompier de vigny, c'est que nous apprenons à pompier de vigny après descendre de laver. Mon cousin, il helper, il avec sa garçon là, tu peux aller tirer un container depuis dans le doc. Ouais, tu peux faire ce travail, mais malheureusement, ça ne tombe. Je suis fini à aller, j'ai un petit peu de papier. Là, dans ce tas, c'est ce papier-là, il y a là qui se tient tombé. 43 ans. L'immobilier, il y en a des enfants, un 19 ans, un 17 ans. Et tous les deux peuvent faire l'étude. Bien difficile. Extra difficile, ça. Un nourrisson de 10 mois admis à l'hôpital du Nord après avoir ingurgité une substance nocive. L'incident a eu lieu sous le toit familial hier soir. Le garçonnet a été placé sous observation. Les enquêteurs recueilleront la version de la mère prochainement et l'enquête se poursuit. Une bande a été mise hors d'état de nuire par la MCIT après que la maison et la voiture du père du TikToker Taslim ont été saccagées en septembre 2022. À Valépito, armés de sabres et de gourdins, 7 individus avaient participé à cet acte de vandalisme et l'un des suspects est passé aux aveux lors de son interrogatoire par les hommes du SP Sibarot de la MCIT. Âgé d'une quarantaine d'années, il n'aurait pas été rémunéré alors que ses complices auraient touché la somme de 75 000 roupies chacun. Les détails avec Émilie Payenne. Presque un an depuis que Valépito s'est réveillé sous le choc. Les images CCTV montrant des individus armés avaient fait le tour des réseaux sociaux. 7 hommes,
encagoulé avait fait éruption au domicile des parents de Taslim. Au moment des faits, sa mère se trouvait seule à la maison, alors que son père s'était rendu à une session de prière. Le nom du commanditaire de cette affaire, qui aurait déboursé la somme de 500 000 roupies pour cette attaque, est déjà connu des limiers de la MCIT et il est activement recherché. À ce stade, les limiers soupçonnent l'implication d'autres suspects dans cette affaire. Des voitures avec à leur bord des individus armés se trouvaient dans la capitale au cas où la situation allait dégénérer. La police n'écarte pas d'autres interpellations dans les jours à venir. Je vous le disais au sommaire, le député travailliste Arvin Boulel a tiré à boulet rouge sur le ministre des Affaires étrangères, récemment nommé Manish Gobin. Plusieurs responsables des Rouges ont participé à une cérémonie de dépôt de gerbes au samadhi de Sos Adkam Boulel, la vallée des prêtres, ce matin. Le chef de file du parti travailliste au Parlement reproche au ministre son absence au sommet du G20 en Inde. Selon lui, ce ministère est une vitrine du pays, mais le ministre porte atteinte à la réputation de la République mauricienne. Là où nous mène le ministre des Affaires étrangères, il n'est pas capable même d'accompagner ce ministre, ce premier ministre. Et vous connaissez un ministre qui s'appelle Jay Sankar, là, le ministre des Affaires étrangères indien. Une fouette, ça. Là-bas, il fait l'honneur à ce pays. Ici, vous avez un ministre des Affaires étrangères qui fait la honte à la République mauricienne. Au-delà du fait qu'il se caisse, mais écoutez, moi, on dénonce lui haut et fort. Oui, l'itinant est qu'au diapark. Oui, l'itinant a transféré l'argent là-bas. Bon, pas dire que ça n'a gagné, pas gagné. Mais pas capable, il n'est pas capable de pas appeler. Il n'est pas capable de pas appeler. Bon, dire d'aller aussi assumer ses responsabilités. Il a besoin de dire les grandes vérités. Nous connaissons N, fin donne l'argent dans l'éco diapark, dans le bureau d'Alia et dans le bureau chairman SIT, M. Ramnaren. M. Ramnaren connaît et Diagnat pas capable de lire. Right, ce qui peut passer, parce que s'il est tolérant de ça, ça veut dire qu'il est complice. Ok? Et ça pas capable, c'est inacceptable. Un ministre des Affaires étrangères, ça? Ou pas? Ministre des Affaires étrangères, c'est ministère une vitrine du pays. Aujourd'hui, quand vous faire ça, vient un torchon du pays. Pour sa part, Navin Ramgoulam a exprimé sa profonde tristesse après le séisme meurtrier qui a frappé le Maroc et a aussi réagi après la déclaration de Kougan Parapen de résistance et qu'alternative. Une tragédie terrible. Et nous peut espérer que non. Si flan finit, finalement, mais pas quoi. Il paraît qu'il peut augmenter quand c'est du monde qui nous voit. Si ça débris là, peut-être cela, il y a un problème. Mais beaucoup peut aider. Beaucoup peut aider. Bon, les enfants qui sont contents qu'il la fouille castée pour faire partie de ce G20. C'est bien important. Une bonne affaire qu'il a eu. Je me suis commenté à tantôt, je me demandais qui compte sur les réunis pour nous tout réussir là. Oui? Merci beaucoup. C'est une positive, hein? Résistance alternative de très positif. Ouais, bon, on a rencontré. Et puis la Global Biofuels Alliance a été lancée officiellement en Inde avec Maurice faisant partie des initiateurs. Son objectif principal est de promouvoir la coopération internationale en matière de commerce et de recherche portant sur les biocarburants durables. C'était l'une des priorités de la présidence indienne dans le cadre de ce 18e sommet du G20. La Global Biofuels Alliance est née d'une volonté commune de l'Inde, du Brésil et des États-Unis, et elle compte parmi ses membres fondateurs Maurice, les Émirats Arabes Unis, l'Afrique du Sud ou encore l'Italie. Elle a été officiellement lancée à New Delhi par le Premier ministre indien Narendra Modi en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre Pravind Jugnauth et le président américain Joe Biden. Aussi dans l'actualité, après l'alerte donnée par la NCG ce matin signalant la présence de méduses sur certaines plages du littoral nord, beaucoup de Mauriciens qui s'étaient rendus à la plage pour se baigner ont dû rebrousser chemin. D'autres qui prennent l'avion demain et qui voulaient profiter d'une journée à la plage ont aussi été déçus. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé. Mon vins là aujourd'hui pour faire une baie dans la mer, vont aller demain, mais là mon enfant qui n'a méduse pas pour qu'à baigner. Je viens de vacances, le dernier jour de vacances, je ne sais pas si je profite de l'eau. Après 30 ans, pas 35 ans, je viens de m'en choisir. Je sais pas si je mets mon costume de bain, je trouve. Moi, je vais prendre bien la mer, dernier jour. Demain, je peux aller le soir, pas rester.
Après, les biens dangereux aussi, ça me disait, parce que si je ne connais pas le bien, je risquais de gratter, on a les yeux, on brûler, comme dans l'avion, je risquais d'être malade. Je ne comprends pas qu'il peut gagner à cause de l'effet de la mer. Nous sommes en famille, nous dérangeons depuis 4 bonnes, je ne connais pas le bien. Ils me disent, mais c'est bon, nous n'avons plus rien, nous cavalons, nous les tout, puis qu'on flaque, nous passons sur 4 bonnes, autant loin, brûler l'essence, nous là. Pas canazé, mais c'est mon papa qui a beaucoup de monde dans la mer à cause ça. Mais là, nous passons le temps pour aller nous les lancer. Mais je ne connais pas connaître, vous n'êtes pas votre responsabilité. Vous êtes en hanté, vous êtes en hanté, moi, mon papa hanté, moi. Mais là, nous, après 10-12 monde, nous étions. Et au cours de plus d'une semaine, nous faisons plein de vin là. Si nous étions au courant, depuis le matin, nous faisons plein de vin là, nous faisons la place. Nous là en famille, mais malheureusement, il y a des enfants et tout. Mais dommage que nous sommes sortis dans de l'eau. Parce qu'il y a une méduse et les temps bien bon, nous avons un beau soleil, mais malheureusement, cette méduse là, comment dire, qui nous a invité indésirable, ben, qui nous bouffe ces dames dans la nature, mais nous pouvons dire qu'il y a du bon qui peut venir pique-niquer du côté de Montsoisy, faire bien attention. Mais il y a une autre doléance encore qui est capable de faire, c'est que je suis sorti dans le haut, je suis venu à Montsoisy. Malheureusement, je trouve une faire une jolie toilette, bien sûr, jolie parking et tout. Mais à nos grandes surprises, il y a un grand monde avec nous, les toilettes fermées. Mais pas qu'on est quand, une jolie toilette, mais il reste fermé. Mais c'est dommage, une dizaine de kilomètres pour qu'on va trouver une toilette. La suite de ce journal après cette page publicitaire. Et où là hein? Est-ce qu'ils vont oublier les autres? Ah bon? Les affaires de retour. Qui est-ce? C'est original là, tu manques eux? Normal. Qui? T'es pas entendu? Non. Tu veux sélecteur. Est-ce qu'il faut te lever retourner? Je t'y fais Rodley, est-ce qu'il n'écoute? Hey, je t'y fais Tanli et l'une retourne. Original côté le PPS. Tout mon riche pour me t'essayer. Ouais, ouais, le côté porté le. Mais y'a goula, c'est que du bon tour. Est-ce qu'il porte le retour du comeback pour mettre encore plus couler à notre live. Est-ce qu'il. Couler à nos îles. Après 3 ans, je préfère Blédy Junior pour continuer à l'aider à couvrir ses besoins journaliers en fer, vitamines et calcium dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée. Du 25 août au 25 septembre, soutenez l'ONG SOS Village d'Enfants. Pour chaque boîte de lait Blédy Junior, 400 g ou 800 g achetés, 20 roupies reversées à l'ONG. Et pour l'achat de 2 boîtes Blédy Junior 800 g, repartez avec des crayons de couleur. Offre valable dans la limite des stocks disponibles chez Winners, Super U, Intermart, Jumbo, King Savers et Dream Price. Voir conditions de l'offre en magasin. Chérie? Maman, où sont passés les A++? D'habitude, ils sont au-dessus du A, non? Il en a plus. Ce sont les nouvelles étiquettes Energy Label et elles affichent les classes A, B, C jusqu'au G. Pour permettre ben la vente électroménager qui est plus efficient, la loi est amendée. Ancien Energy Label peut faire place à nouveau pour réfrigérateur et lave-vaisselle. Pour comprendre la différence, consultez website et page Facebook IIMO. Dans la page internationale au Maroc, le bilan dépasse les 2000 morts dans le puissant séisme qui a frappé le pays dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d'énormes dégâts et semant la panique à Marrakech. Regardez. على اللي ساكن هنا كاع مشقوقه تقريبا تقدر اي وقت تقدر تطيح وما يمكنش لينا حنا نمشيو لها نسكنوا فيها وعباد الله جايين هنا راه ما كاينش اللي قال لهم ريحوا هنا حنا كاملين جايين مجموعين هنا حنا مخلوعين من هذوك الديور ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله وانت تشوف الناس فين ناعسين وشي فائده وشي حاجه ما كاين والو الديور تشقوا لينا وشي رابوا لي بنتي انا بعدا راه بتلي الدار كلها هي مشات واحد الحاله زعما ما شاء الله
كنا جالسين في الدار ما علينا ما بينا حتى واحد شويه حسينا بهذاك الشيء تزعزع راه هي داري راه هي هذيك اللي فيها سميتو الشجره صافي كنسمعوا الحجر كيتلاح والغواط والناس صافي ما عارفين باقي باش تبدينا قلنا هذا الشيء غدا يوم القيامه هذا الشيء. Regain de tension entre Niamey et Paris, le régime militaire nigérien issu d'un coup d'État a accusé la France de déployer ses forces dans plusieurs pays ouest-africains en vue d'une agression contre le Niger. La France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CEDEAO dans le cadre de préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire, a déclaré un membre du régime, le colonel-major Amadou Abdraman, dans un communiqué lu à la télévision nationale. Il y a lieu de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'en dépit de l'annonce de ce plan de retrait, la France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CEDEAO, dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire. Clown, acrobate et magicien sur scène, odeur de sueur, de bois et de pop-corn qui vont et viennent de la piste aux tribunes. Tous les ingrédients traditionnels du cirque sont là, sauf les animaux vivants que le cirque allemand Roncalli a remplacé par une séquence animée par des hologrammes. Une façon de dire non aux animaux en captivité. Et cinéma pour clore cette édition, le film qu'on vous propose de découvrir ce dimanche, Guardians of the Galaxy volume 3 avec Chris Pratt, Zoe Saldana et Bradley Cooper. Alors qu'elle s'apprêtait à s'installer à Nowhere, notre bande de gardiens préférés voit son destin bouleversé par les échos du sombre passé de Rocket, décidé à sauver la vie de son coéquipier. Star-Lord, encore sous le choc de la perte de Gamora, rassemble à nouveau son escouade autour de lui pour une mission dangereuse. Les Gardiens de la Galaxie volume 3 transmet surtout un message fort sur l'expérimentation animale et les atrocités qui sont commises sur les animaux de laboratoire. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien et très bonne soirée à tous.